Bienvenue à MP Électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon lecteur de cartes magnétiques, c'est les cartes RFID. En fin de compte, ces cartes-là, ici, vous avez quatre cartes. Vous avez, moi j'ai étiqueté avec qu'est-ce que ça allume, étoile, ça allume mon étoile ici. Détecteur lampe, ça allume mon détecteur de mouvement, ma lampe ici. Puis ici, ça allume mes LED avec mon détecteur de mouvement. Donc, ici, je vous présente ma petite boîte. La petite boîte avec l'antenne. Si, mettons que je vais ouvrir ici, ouvrir, fermer. Si mon étoile est ouverte, je passe ma carte étoile, la deuxième. Ça va allumer celle-là, deuxième, première ici. Deuxième, troisième, quatrième. J'ai rien plugué dans le quatrième, vu que ma boîte ici avec ma manette est connectée en même temps. J'ai pas assez d'appareil. Donc l'étoile ici est allumée. Je passe. Vous voyez, l'étoile se ferme. Même chose si je la repasse. L'étoile va s'ouvrir. Là, mon détecteur de lampe. Ici, la LED va clignoter pour dire que le circuit s'ouvre. Donc, je passe. Vous voyez, la LED elle clignote ici. Et pour la fermer. Une autre fois. Ici, c'est mes LED ici avec mon détecteur de mouvement. Vous voyez, ouvert. Maintenant, je la ferme. Ici, 4. Maintenant, j'ai rien mis pour la 4. Parce que j'ai 7 appareils connectés. Ici, c'est mon ancienne boîte, je vous ai déjà présenté la radiofréquence avec la petite manette ici. Donc, j'ai indiqué tous les appareils connectés. Mais en fin de compte, cette boîte-là, c'est la même version, à peu près la même version. Ça permet d'activer et désactiver chaque appareil connecté sur le 1, 2, 3, 4. Qui représente la carte 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, c'est une autre boîte. J'ai plugué les deux pour avoir plus d'appareils. Ici, cette boîte-là est construite avec j'ai programmé un PIC 16F628A. Avec, il y a 4 relais sortis. Ici, il y a 4 fils AC. Donc, c'est plugué en dessous. Ici, sur la barre. Pour cette boîte-là à droite, c'est cette barre-là. Donc, j'ai beaucoup de choses de plugger. Donc, ça, c'était ma boîte. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours disponible pour vous. Donc, je vous souhaite joyeuses fêtes et à la prochaine.